À l'extérieur de la mosquée de Koufa, et comme nous avons dit, la capitale de l'imam Ali alayhi salam se trouvait à Koufa et donnait des jugements à partir de la mosquée de Koufa. Et donc, l'imam Ali alayhi salam habitait aussi aux alentours de la mosquée. Donc, ici, nous sommes devant la maison où habitait l'imam Ali ibn Abi Talib avec sa famille, salawatullahi alayhi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Comme on le sait, il y a le mihrab de l'imam Ali alayhi salam, là où l'imam Ali alayhi salam a reçu le coup d'épée. Donc on l'a ramené dans cette maison-là et quelques jours plus tard, il tomba en martyr. Donc c'est ici même qu'on a donné le ghusl al-mayyit de l'imam Ali alayhi salam. Donc il y a des enfants à Zari, là où on a donné le ghusl de l'imam Ali. Et il y a aussi une salle où justement on a mis le kafan d'imam Ali alayhi salam. Merci. C'est le lieu où a été donné le ghusl d'Imam Ali alayhi salam, ici à Koufa, dans sa maison. Et là, c'est le lieu où on lui a remis le kafan.
يعني مشكل كشا يا اللي مشكل كشا يا أبو الحسن يا أبو الحسن تمني شهيد كرو هم أب يا حسن وحسين يتيم تجي أجعها ما بيبي زينب سلام الله يا له يتيم تجي أجعها ندر يا حسين يا علي તમારા જવાથી યતીમો ગરીબો જેઓને તમે ખાવાનું આપતા હતા તેઓ પણ લાચાર થઈ ગયા. યાલી 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 મદદ યાલી મદદ યાલી મદદ C'est quoi ici? Du coup ici, justement il y a aussi un zari. En fait c'est un puits. Et c'est le puits qu'Imam Ali alayhi salam utilisait. Donc il pouvait dire cette famille, la famille d'Imam Ali alayhi salam, Imam Ali lui-même alayhi salam, prenait l'eau de cette de ce puits. Et au jour d'aujourd'hui, il est toujours possible d'avoir accès à cette eau. Dehors, justement, il y a des robinets où on peut prendre l'eau de ce puits. Subhanallah. Ya Ali. يا علي عليه السلام يا أبا الحسن أربعين 2022 الحمد لله رب العالمين nous avons eu le توفيق nous avons la chance de faire wuzu avec l'eau d'Imam Ali عليه السلام l'eau venant du puits d'Imam Ali عليه السلام de sa maison ici à côté du masjid de Koufa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. 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 Maintenant nous allons visiter la tombe de Zari de Tsunabe Misam et Tamar, le fidèle compagnon d'Imam Ali alayhi salam, ici à Koufa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Assalamu alaykum, Janab Misam et Tamar alayhi salam. Que la paix soit sur vous. Ya Janab Misam et Tamar, le fidèle compagnon d'Imam Ali alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى محمد 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 اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد Que la paix soit sur vous, ya Janab Misam et Tamar alayhi salam. Que la paix soit sur vous, ô fidèle compagnon d'Imam Ali alayhi salam. Ô fidèle compagnon d'Ahlul Bayt alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد. لبيك يا علي، لبيك يا حسن، لبيك يا حسين، لبيك يا زينب، لبيك يا عباس، لبيك يا مهدي، لبيك يا مهدي، أجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Donc à 10-15 minutes à pied de la mosquée de Koufa se trouve la tombe d'un des compagnons dévoués de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, qui s'appelle Maytham al-Tammar. En résumé, l'imam Ali ibn Abi Talib salawatullah wa salamu alayhi avait dit à Maytham al-Tammar qu'il sera un jour pendu sur un arbre à cause de son amour pour l'imam alayhi salam. Et l'imam alayhi salam lui avait même montré l'arbre en question. Et ce qui s'est passé, c'est Maytham, il était tellement c'était tellement son objectif, son but ultime de mourir pour l'imam alayhi salam, qu'il venait régulièrement auprès de cet arbre. Il prenait soin de cet arbre, il priait auprès de cet arbre, il discutait même avec cet arbre durant plusieurs mois, plusieurs années avant ces événements-là. Donc, Imam Ali salam, Imam Ali ibn Abi Talib tombe en martyr. Ensuite, il y avait Imam Hassan, donc c'était aussi un compagnon de l'Imam Hassan alayhi salam. Ensuite, Imam Hussein alayhi salam. Et ces événements ont lieu un peu juste avant l'événement de Karbala. Et donc quand les Omeyyades, Ibn Abbas, etc. ont voulu faire ce que l'imam a.s. avait prédit, ils ont pendu Maytham sur l'arbre et ils ont voulu décapiter, c'est-à-dire couper sa main, ses pieds, sa langue. Maytham al-Tammar, devant Allah Ta'ala alayhi, a dit que de toute façon mon imam m'avait déjà prédit que vous allez couper ma langue. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, nous allons couper tes mains et tes pieds, mais ta langue, nous allons rien faire. Comme ça, ce que ton imam t'a dit sera faux. Donc ils ont pendu Maytham, ils ont coupé sa main, ses pieds. Maytham, par amour pour l'imam alayhi salam, rassembla les gens. Il commença à dénoncer les ennemis de l'imam alayhi salam. Il commença à réciter les éloges de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et donc les ennemis n'ont pas pu supporter cette situation. Ils n'ont pas pu supporter que le dhikr de l'imam alayhi salam soit fait, le fadila de l'imam alayhi salam soit récité. Et finalement, ils ont fini par couper sa langue. Et pendant plusieurs jours, il était là, après qu'il soit mort, pendant plusieurs jours, il est resté pendu jusqu'à ce que des gens prennent son corps, volent son corps, entre guillemets, et l'enterrent à cet endroit. Et soit sûr, je n'avais mis ça, mais Tamar alayhi salam, le fidèle compagnon d'Imam Ali alayhi salam, d'Imam Hassan alayhi salam. Et de l'imam Hussein alayhi salam, que ceux qui n'ont pas eu le tawfiq de venir visiter cet endroit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde, c'est-à-dire qu'ils puissent venir ici à cet endroit pour saluer le fidèle compagnon de l'imam Ali alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahu.